Ta vie ressemble à la vie de Christ à la croix. En venant ici ce matin, à cause des situations, à cause de ce que tu traverses, ta vie ressemble à la vie de Christ à la croix. Quand Christ était crucifié à la croix, il n'y avait aucun lieu d'espoir. C'était la douleur. C'est le sang qui coulait. C'était atroce. Personne ne pouvait parier sur lui. Même ses disciples se sont éloignés. C'était la honte. C'était les moqueries. Alléluia. Amen. Ta vie peut ressembler à cela. Et c'est même réel. Mais après la croix, il est même allé au tombeau. Et là, on croyait que tout était fini. Vous voyez qu'on l'avait enterré. Ses ennemis ont dit, nous avons fini avec lui. Ses ennemis ont dit, on s'est débarrassé de lui. Même le tombeau croyait qu'il avait triomphé de Christ. Mais le troisième jour, celui qui était comme dans la défaite, celui qui avait supporté tous les péchés du monde, il a triomphé. Le Seigneur m'a dit de te dire ce matin, tu triompheras aussi. Christ a partagé son triomphe avec toi ce matin. Il a partagé son triomphe avec chacun de nous. C'est pourquoi, quel que soit ton état, commence à bénir le Seigneur pour le triomphe dans ta vie. Commence à dire merci au Seigneur pour son triomphe dans ta vie. Si tu es venu à Christ, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas perdu. Le péché n'aura pas le dessus sur toi. La malédiction n'a plus le dessus. Satan n'a plus le dessus. C'est la vie éternelle. C'est la vie jouée. C'est le sozo. C'est la grâce de Dieu qui s'y rabonne. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle grâce de voir des triomphateurs persévérer dans leur triomphe. Quelle grâce de voir la gloire de Dieu sur ta vie. Quelle grâce de te voir plus que vainqueur. Donc nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous disons merci au Seigneur Saint-Esprit. Lui qui nous a encore rassemblés. Lui qui est notre enseignant. Lui qui nous conduit pas à pas. Le thème de 2020, c'est notre année de combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Par la prière d'intercession et d'autorité. Est-ce que tu peux proclamer cela avec moi? 2020. C'est devant toi. Tu peux proclamer haut et fort. C'est mon année de combat spirituel victorieux. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, cette année tu montes sur le ring. On dirait que la personne a peur. On dirait que ton voisin, ta voisine a peur.
Cette année, tu vas monter, mais tu montes en plus que vainqueur. Donc dis-lui, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur même de monter. Je n'ai plus peur. Parce que je suis déjà qualifié. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 6, le verset 2, je veux que cette parole soit gravée en chacun de vous. Apocalypse 6, le verset 2. Apocalypse 6, 2, dans parole vivante. Et voici. Et voici. Qu'apparut un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. On lui remit une couronne de laurier. Et il partit en vainqueur de victoire en victoire. En Christ, on te couronne même avant le combat. Il y a quelqu'un qui a une couronne de victoire sur ta tête. Il y a une couronne de victoire sur ma tête. Ce n'est pas après le combat qu'on lui a donné la couronne. On lui a donné la couronne avant même d'aller. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois réveillé dans ton esprit ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on te donne la couronne avant le combat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire encore? On te donne la couronne. Saisissez le sens, c'est très profond. Ma soeur, mon frère, on te donne la couronne avant même le combat. Cela veut dire tu as l'obligation de vaincre. Il n'y a pas amusement ici. Cela veut dire tu as l'obligation. Quel que soit comment la chose va se passer, tu as l'obligation. On ne doit pas arracher la couronne. Tu dois revenir avec la couronne. Il y a quelqu'un qui a l'obligation de vaincre. Tu as l'obligation de triompher. Il n'y a rien sur cette terre. Écoutez-moi très bien. Si on te donne la couronne avant le combat, cela réveille tous tes sens. C'est un engagement. C'est une détermination. C'est pour te dire, tu n'as pas droit à l'erreur. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas des simples paroles en l'air. C'est un engagement. Ce n'est pas de l'amusement pour dire, ah, bon, je suis plus que vainqueur. C'est un engagement. Pour te dire, je fais confiance. Tu dois revenir avec cette couronne. Tu dois garder cette couronne. L'ennemi ne peut pas arracher la couronne. C'est de ses pensées. C'est cette attitude qui a animé les pôles. Et ils ont terminé effectivement en disant la couronne de victoire. La couronne de victoire qu'on m'a donnée là a été réservée pour moi. Je ne l'ai pas perdu. Est-ce que tu vas le perdre au combat?
La couronne est déjà sur toi. Tu vas aller livrer ça à l'ennemi. Ma soeur, tu vas aller livrer. Non, tu vas aller donner. Il y a un engagement. Un engagement. Une détermination. Cela ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Une couronne. Ça a été donné. Et on te dit, tu pars en vainqueur et de victoire en victoire. Quand la défaite voit la couronne de victoire sur toi, elle fait quoi? Elle fléchit genoux. Quand l'ennemi voit la couronne de victoire sur toi, il fléchit genoux. C'est ça le thème de l'année. Je crois que nous avons commencé à comprendre. Quand on dit année de combat, ça signifie aussi qu'il y a une marge de maturité. On n'envoie pas des enfants au combat. On n'envoie pas des bébés au combat. Demande à ton voisin, est-ce que tu es toujours bébé? Est-ce que tu es toujours enfant? Là. Faut lui dire que les nyé spirituels sont finis. Moindre chose, je ne viens pas à l'église là, ça c'est fini. Les nyé spirituels sont finis. C'est une année de maturité. Oh oui, c'est un alléluia. Amen. Et le Seigneur te voit mature. Amen. 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 Tu as dit amen. Amen. Et j'ai dit amen aussi. Donc après ces moments passés pendant le séminaire Arbre de vie, je vous apprécie parce que vous avez suivi le séminaire avec beaucoup d'intérêt. Et chacun de nous a reçu beaucoup de révélations. Maintenant, comme l'apôtre Paul l'a dit, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier. Ces enseignements sont d'abord comme des informations. C'est d'abord comme des informations. Dis, nous ne cessons de prier et nous demandons à Dieu de vous remplir de la connaissance. Tant que les informations ne vont pas aller au niveau de la connaissance, tu ne verras pas l'impact dans ta vie. Et pour que l'information devienne connaissance, tu dois prendre ces paroles et entrer dans un temps de prière. Ça, c'est ton rôle, c'est mon rôle, c'est ton devoir, c'est mon devoir. Ah oui. De prendre ces enseignements. Si tu as simplement écouté, si tu as simplement apprécié, tu ne verras pas l'impact. Mais il dit, quand l'information est parvenue, nous sommes mis en prière parce que nous voulons que l'information reçue là soit manifeste, soit dans la pratique, répond à nos réalités, affronte nos défis. Nous avons prié et nous continuons de prier pour que nous soyons maintenant remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Maintenant, cela va nous permettre de marcher d'une manière digne. Alléluia. Amen. Cela va me permettre de marcher d'une manière digne. Je dois marcher dans la
dignité de la victoire. La victoire ne doit pas être une simple information. La victoire ne doit pas être... Non, beaucoup de chrétiens ont la victoire par information. Ils sont informés qu'ils sont plus que vainqueurs. Mais leur vie de tous les jours ne correspond pas. Il ne faut pas que la victoire reste au niveau de l'information. Ça doit aller dans la pratique. Ça doit aller dans la manifestation. Cela engage ma responsabilité. Cela engage ta responsabilité. David a dit, ma part, ô Éternel, c'est de faire quoi? De garder ta parole. La part du Saint-Esprit, c'est de nous donner la parole de Dieu. Mais notre part, c'est de prendre cette parole, la garder dans la prière, la méditer régulièrement, jusqu'à ce que notre mentalité soit changée, nos pensées soient changées, notre raison abandonne au profit de la raison de Dieu. C'est là que nous pouvons marcher dignement dans la vie. C'est là que tu peux marcher dignement dans la victoire et être agréable à Dieu. Tant que nous ne marchons pas dignement dans la victoire, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Ça veut dire que nous avons refusé la victoire de Christ. Nous avons simplement entendu, on n'a pas cru. Donc, par l'intercession, nous allons continuer à prier pour le séminaire. C'est pourquoi je vous engage à venir les intersemaines. Parce que c'est les moments de prière pour rentrer dans la pratique. Que ta vie ne soit pas seulement une vie chrétienne de dimanche. Donc nous allons avancer ce soir, nous allons introduire le combat spirituel victorieux. Nous avons vu trois niveaux de combat spirituel victorieux pendant le séminaire. Et nous allons aborder le premier niveau. Et le thème de ce matin, premier niveau de combat spirituel victorieux, la chair, version pratique. Nous allons rentrer dans la version pratique de la victoire contre la chair. C'est le premier niveau de combat spirituel victorieux. Quand la Bible parle de combat spirituel victorieux contre la chair, ce n'est pas la lutte contre la chair, non. Nous avons tellement lutté contre la chair et nous sommes continuellement en train de faire cette lutte. Cette année, ce n'est pas la lutte contre la chair, non. C'est affirmer ma victoire, rentrer dans la victoire, accepter la victoire sur la chair. Nous allons lire dans Osée 4. Osée 4, versets 1 à 6. Ce qui fait que nous ne rentrons pas dans la victoire contre la chair, c'est simplement dû à l'ignorance. Et l'ennemi exploite chaque jour l'ignorance dans chaque enfant de Dieu. Osée 4, verset 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Quand ces choses, ces éléments manquent, vous allez vous rendre compte que le pays va vivre dans la chair. Les habitants sont obligés de vivre dans la
dans la chair. Personne ne peut vaincre la chair. C'est pourquoi le verset suivant va nous révéler cela. Il n'y a que parjure et mensonge. Il n'y a que assassinat, vol, adultère. En use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Alléluia. Quand un peuple vit dans la chair, même les animaux ne sont pas épargnés. Même les poissons dans la mer subissent. Et on voit quoi? La violence, les meurtres, les adultères et tout ce que nous pouvons voir sur la terre. Le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublie aussi tes enfants. Donc tout cela est lié au fait que le peuple ne connaît pas son Dieu. Et Dieu dit, mon peuple est détruit. Mon peuple périt. Parce qu'il lui manque là la connaissance. Mon peuple est détruit. Toute forme de destruction dans ma vie est liée au fait qu'ils ignorent qui est Dieu par rapport à ma vie. Ils ignorent ce que Dieu a fait pour ma vie. Quelle que soit la destruction, la Bible dit que cela est lié à l'ignorance. Manque de connaissance. Connaissance de qui? Connaissance de Dieu. De ce que Dieu a fait. De ce que Dieu a fait pour toi. De ce que Dieu est pour toi. Si nous ignorons cela, nous permettons à la destruction de s'infiltrer. Je crois que ce matin, le Seigneur veut mettre fin à toute forme de destruction dans la vie. Le Saint-Esprit veut mettre fin à toute forme de destruction dans ta vie. Toute forme de destruction dans ton foyer, dans ton service, quel que soit le niveau où l'ennemi s'est infiltré. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc cela ne veut pas dire que la connaissance n'est pas donnée. La connaissance est donnée. Mais on peut rejeter la connaissance. On peut refuser la connaissance. Voici ce qui va faire la différence. Il dit, ce n'est pas que Dieu ne se révèle pas. La connaissance de Dieu n'est pas fermée. La parole de Dieu nous a été donnée. Tu peux la rejeter. Je peux la rejeter. Si je rejette la parole de Dieu, j'ai rejeté qui? Et si je rejette Dieu, comment il permettait? Alléluia. Imaginez que je viens sur le papa pour l'aider. Donc,
La reconnaissance n'est pas absente. On peut rejeter la reconnaissance. Ce matin, tu n'es pas là pour rejeter la reconnaissance. Je ne suis pas là pour rejeter la reconnaissance. Osée 6, le verset 1 à 3. Il a été blessé.
blesser à cause de ça. C'est du bien à lui. Il nous rendra la vie dans les jours de la vie de quelqu'un va chercher. Ça, ce n'est pas le même.
regard et tout mal. Au lieu d'avoir peur, de laisser flatter. On va gêner, prier pour toi pour que tu. Non. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Je me tourne vers celui qui m'a dit qu'il me garde tout de tout mal. Donc il me garde tout accident. Chercher à l'œuvre. Et si nous cherchons à le connaître, sa venue est certaine. Devant n'importe quelle situation, le voilà. Mais si tu ne le connais pas, même s'il vient, tu vas le rejeter. Tu vas le. Mais toutes les fois que je l'ai reconnu, j'ai vu sa grâce. On était en souffrance. Vraie souffrance. On n'avait pas à manger. Et on n'avait rien de quoi survenir à nos besoins. Voici qu'après un culte, on arrive à la maison avec l'angoisse de la paix. Alléluia. Voilà qui vient à l'église. Il repart là. Le pasteur qui prête ne voit pas ton pain. Bien. Arrivé à la maison, un enfant qui n'a même pas 10 ans est venu nous rendre. Une vierge qu'on ne connaissait pas. Tu peux imaginer que cette vierge va être envoyée par Dieu. Qui peut comprendre que Dieu peut prendre la forme d'une petite vierge qui vient taper à la porte et qui dit. Elle a un ami ici. On était deux célibataires dans une maison. Je connais les amis de mon cousin. Mon cousin connaît mes amis. Elle n'est pas amie de mon cousin. Elle n'est pas mon ami. J'ai dit, ma fille, tu es trompée de peau. Ici là, il n'y a même pas un enfant de ton âge. Il faut aller à la cour voisine. Elle dit non. J'ai un ami. J'ai tout fait. Elle est rentrée. La conclusion. La fièvre a disparu. Il a reçu partout. Elle est passée. Et c'est la première fois qu'on se rendait compte que Dieu venait de nous visiter. Parce que la nuit, dans un rêve, dit celui qui reçoit un de ses plus petits, et dans le rêve, la voix dit, à partir de maintenant, je change votre situation. Mon cousin attendait les résultats d'un concours. Il a été amené à ce concours. Cherchez à connaître l'Éternel. Si moi j'avais lu la parole de Dieu et j'étais tombé sur ce verset qui dit celui qui reçoit un de ses petits mains, est-ce que j'allais rejeter la prière? Bon, c'est vrai que tu ne te connais pas. Okay, bien. Je vais te parler de Jésus. Mais j'avais tellement faim. J'ai voulu m'en débarrasser. C'était un
connaissez, qui cherche à le connaître, à travers sa parole. Si tu le connais à travers sa parole, vous pouvez vous donner un accord. Il y a un esprit. Je ne peux pas venir te raconter ce que je veux. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, les chrétiens fuient leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de vous asseoir avec la parole de Dieu. On va vous manipuler. Et vous allez aller d'église en église. C'est pendant que vous avez la possibilité de le connaître et d'être équilibré. Donc le premier niveau de combat victorieux, nous allons lire dans Romains 6. Ce n'est pas une prédication ce matin, c'est un enseignement. Romains 6, la parole est vivante. Levez la main tous ceux qui ont la parole vivante. Tous ceux qui ont la parole vivante, levez la main. Ne mourra plus jamais.
L'amour a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort pour le péché, une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu, dans une communion parfaite avec lui. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels. Considérez votre relation avec lui comme rompue. Regardez-vous comme mort pour péché et vivant. Comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Son règne sur vous est fini. Alléluia. Et faux ami. Le thème donné à ce chapitre, c'est le secret de la victoire. Et je vais demander à toute l'assemblée de méditer Romains 6. Le secret de la victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur la chair. Refuser de vaincre le péché. C'est laisser, c'est se laisser vaincre par la mort. J'ai dit refuser de vaincre le péché. C'est permettre à la mort de nous vaincre. Puisque la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Éphésiens dit, nous étions morts par nos péchés et nos offenses. Alléluia. Nous étions morts. Si la Bible dit que nous étions, c'est-à-dire que quelqu'un a payé le prix pour nous ramener de la mort à la vie. Donc, si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus morts. Nous sommes vivants de la vie de Christ. C'est pourquoi Romains 6, l'apôtre Paul, qui a lutté aussi avec le péché, a permis au Saint-Esprit de lui donner le secret et la révélation. C'est pour toi, c'est pour moi aujourd'hui. Je veux que nous prenions ces paroles et que chacun se laisse pénétrer et transformer. Il dit, continuons-nous donc à pécher à cause de la grâce? Il y en a qui continuent dans le péché à cause de la grâce. Ils ne savent pas qu'ils ont la victoire sur le péché. Ce fameux verset qui dit, là où la grâce, là où le péché a, la grâce, c'est les derniers versets du chapitre 5. Mais Paul, connaissant la pensée de l'homme, il savait que des gens allaient s'appuyer sur ça pour vouloir demeurer dans le péché, vivre dans le péché, continuer dans le péché. C'est pourquoi il commence le verset de chapitre 6 en disant, est-ce qu'on va demeurer dans le péché avec qui la grâce de Dieu s'y rapporte? Celui qui tolère le péché à cause de la grâce, apprenez dans la
La grâce nous fait sortir du péché. Et la même grâce nous donne la capacité, la force, la puissance, le pouvoir. Je dis bien, non. Ceux qui sont sortis du péché par la grâce. Mais ça veut dire quoi? Quand nous sommes engagés dans le péché, quand nous avons pris la nature du péché, on s'est engagé dans la mort éternelle. Et quelqu'un est venu nous faire stop. Je ne te laisse pas continuer dans la mort éternelle. Je te ramène où? Je vais vous demander quelqu'un qu'on a fait sortir du feu, est-ce qu'il va encore oser aller tomber dans le feu? Pourquoi? Il y a un homme qui était fâché de... Satan lui a dit, Judas même s'est pendu, il était avec Jésus. Est-ce que vous voyez, regardez, une séduction. Judas était avec Jésus. Comme il a vu que sa vie n'a plus de sens. Il a tellement péché qu'il s'est rendu compte qu'il a... C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y a plus de pardon pour lui. Et Satan est arrivé à convaincre cet homme-là d'aller faire quoi? Se pendre. Effectivement, il est parti pour Et comme Dieu l'aime, il a raté sa pendaison. Quand il a mis la corde là, la branche est tombée, il n'est pas mort. Donc il vient de rater Allah. Est-ce qu'il va repartir? Mais comme l'ennemi voulait mettre fin à sa vie, il est reparti encore pour ouvrir la Bible. Pour voir qu'est-ce que Dieu va lui dire. Et il tombe sur un verset. Le premier mot dit quoi? Repends-toi. Repends. Les vôtres. Tu as manqué à la première pendaison, non? Il faut aller te... Il dit non, maintenant ça ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'il est parti se repentir? Est-ce qu'il est parti se rependre? Non. Pourtant le mot dit repends-toi. Lui l'a compris comme si on lui disait d'aller faire quoi? Il vient de rater la mort. Il va repartir. Mais pour que nous repartons dans le péché. Parce qu'on n'a pas compris le danger. C'est pourquoi il va nous dire. Verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Qui croit qu'il est mort au péché? Qui croit qu'il est mort au péché? Si tu n'acceptes pas la mort au péché, le péché va continuer à vouloir faire quoi? Exercer son règne sur toi. Nous qui sommes morts au péché, pour vaincre la chair, puisque la chair,
c'est le terrain docile du péché. Si nous n'acceptons pas que nous sommes morts au péché, le reste ne marchera pas. Donc la première parole que je dois retenir, je suis mort au péché. Et comment je suis mort au péché? Le verset 3. Parole vivante. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Tous les baptisés ont fait quoi? Acte de mort. Voici quelque chose qui est ignoré dans le christianisme. Dis à quelqu'un, tu as un acte de mort. Là on a peur. Tous les baptisés ont fait quoi? Acte de mort, c'est pas acte de présence. Tu as un acte de. C'est cet acte de mort là que tu vas présenter toujours au péché. Ou bien. Pour avoir l'héritage de ton père. Tu dois présenter quoi? À la justice. Acte de décès. Qui signifie que ton père est et que c'est toi qui es le prochain héritier. Dans le monde, il y a acte de naissance et acte de mort vient à la fin. Dans le royaume, c'est le contraire. Alléluia. Dans le royaume, on commence par un acte de mort. Et après, on délivre quoi? Acte de résurrection. Si je refuse l'acte de mort, il n'y a pas d'acte de résurrection. Nous sommes là. Et l'acte de mort, c'est pour le présenter au péché. Quand le péché se brandit, quand l'impureté brandit, il dit, voici mon acte de mort. Je suis mort au... Je suis mort à l'impureté. Je suis mort au mensonge. Je suis mort au péché. Voici mon acte de mort. Mon baptême m'a donné un acte de mort. Par rapport au péché, je suis mort. Par rapport à la maladie, je suis mort. Par rapport à la malédiction, je suis mort. Par rapport au pauvre, à la pauvreté, je suis mort. Voici quelque chose qu'on n'accepte pas dans le christianisme. Ma soeur, tu es morte au diabète. Si on t'enterre, il y aura diabète encore. Si tu acceptes ton enterrement avec Jésus-Christ, tu peux dire au diabète, ce corps-là n'est plus le corps du malade. Tous les baptisés nous ont fait acte. On a signé notre acte de mort. Et maintenant, on va te signer aussi ton acte de résurrection pour une nouveauté de vie. C'est là que la nouvelle création commence. C'est là que la nouvelle création commence. Si tu n'as pas acte de mort, dans le royaume, tu n'auras pas acte de résurrection. C'est un thème très vaste. Tout au long de la semaine, nous allons rester dans Romains 6 là, parce que tous les éléments de notre victoire sont là. Continuez, on va terminer là. Parce que Ou bien, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés, est-ce qu'ils sont, on parle d'asperger. On parle de quoi? Immergé. Quand on parle de immergé, on va parler d'enterrement. Quand on délivre acte de mort, on va te livrer aussi un tombeau. Mais c'est pas
toi qui vas mourir. C'est ton vieil homme. C'est ton vieil homme. Nous qui avons été immergés avec Christ, c'est pourquoi nous encourageons les gens à passer par le baptême d'eau par immersion. Aspersion, c'est bien, mais vous ne connaissez pas le sens des choses. Il y a une différence entre quelqu'un qu'on a assommé et quelqu'un qu'on a tué. Ou bien, il y a une différence, non? Quelqu'un qu'on a assommé. Il ressemble à mort. Mais est-ce qu'il est mort? Il est. C'est ce que la religion fait. La religion assomme les gens. Mais le baptême d'eau nous enterre, nous immerge. C'est une immersion, ce n'est pas une aspersion. Vous avez été immergé. Nous avons été plongés en sa mort. Plongés en sa mort. Par le baptême. Par le baptême, c'est une mort. Mais on nous a pas égorgé. On n'a pas tué notre âme. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Moi qui parle, je ne peux pas vous l'expliquer. Personne ne peut nous l'expliquer. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Notre responsabilité, c'est d'accepter, c'est de croire que nous avons été immergé avec Christ par sa mort. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis. Nous avons été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Pour partager sa mort, enterré avec lui. Tout ce qui concerne la mort de Christ, toi et moi qui croyons en lui, la Bible dit que nous avons partagé. Pourtant, je n'ai pas subi les douleurs. Pourtant, je n'ai pas été crucifié. C'est ça l'amour de Dieu. Que tu n'aies pas fait quelque chose, que tu ne mérites pas quelque chose, on vient te donner la chose. Et on dit que c'est pour toi. Je ne suis pas mort à la croix. Je n'ai pas été enterré. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas un tombeau. Je ne suis même pas tombé dans un puits à plus forte raison un tombeau. Mais Dieu a fait cette œuvre. Et il me l'a attribué gracieusement. C'est pourquoi on dit, nous sommes rentrés dans la décennie de l'expansion gracieuse. Tu dois comprendre chaque aspect de la grâce de Dieu. Nous allons nous arrêter là ce matin. Mais le soir, nous allons continuer. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tout ce que tu as entendu ce matin. Il y a tellement de richesses. Il y a tellement de grâces. Il y a tellement de révélations. Tu peux te tenir debout et commencer à parler. Je ne peux pas prier à ta place. Si une parole a saisi ton cœur, si une parole t'a touché, commence à présenter cela à Dieu. J'étais ignorant dans tel domaine, mais ce matin tu es en train de me faire sortir de l'ignorance. La destruction m'a touché dans tel aspect, mais ce matin, je sors de l'ignorance. J'accepte la victoire de Christ à la croix. La victoire de Christ à la croix, c'est ma victoire. J'accepte la victoire sur la chair. J'accepte ma mort avec Jésus-Christ. J'accepte ma mort avec Jésus-Christ. Mon ensevelissement avec Christ. Oh, ce matin, j'accepte mon acte de mort. Nous avons fait acte de mort.
par le baptême d'eau, par immersion. Dis merci au Seigneur ce matin parce que tu as un acte de mort vis-à-vis du péché. Devant le péché, tu es mort. Devant la malédiction, tu es mort. Devant la mort, tu es mort. Devant la maladie, tu es mort. Nous avons fait acte de mort. Dis la parole de Dieu. On remercie le Seigneur. À travers cet acte de mort, tu ne connaîtras plus jamais la seconde mort. Tu ne connaîtras plus jamais la seconde mort. Tu ne vas pas quitter la terre sans accomplir parfaitement la volonté de Dieu. On remercie le Seigneur pour cela. Ce n'est pas pour te donner la peur, non. La Bible dit que nous avons fait acte de mort avec le Seigneur. Nous sommes morts au péché. Je ne peux plus vivre dans le péché. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour révéler ta victoire, ma soeur. Ce n'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour te dire: tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur toute la nature satanique. Et désormais, rien ne peut dominer sur toi. Continue de remercier le Seigneur. Continue de prier en langue. Dis: cela dépasse mon entendement. Mais Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Cela dépasse ma raison, ma compréhension. Mais je crois, Seigneur, à partir de maintenant, je suis mort au péché. Je suis vivant pour la bénédiction. Je suis vivant pour la paix. Je suis vivant pour la bonne santé. Je suis vivant pour le bonheur, la prospérité. Je suis vivant pour les bonnes choses du royaume. Je suis vivant pour l'héritage de Dieu pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellent Père, nous bénissons ton nom. Tu as décidé de nous faire sortir de l'ignorance. Dans ton amour, tu nous fais sortir de toute forme de destruction. Nous voici ce matin, loin d'avoir terminé ce message, mais tu continues de nous enseigner. Tu continues de libérer ton peuple. Tu continues de guérir ton peuple. Tu continues de restaurer ton peuple. Tu continues de bénir ton peuple. Tu continues, Seigneur, d'intervenir dans chaque situation et dans chaque besoin. Toute personne qui est venue ici ce matin, ta main puissante touche la personne. Repends aux besoins de la personne, guérit son corps, restaure son âme. Comme ta parole l'a dit, ta venue est certaine et tu viens pour la vie, tu viens pour sauver, dans le nom béni de Jésus Christ. Amen. Acclame le Seigneur.